Les chanceliers des ordres nationaux, distingués invités, mes chers collègues de lauréats, nous remercions beaucoup les autorités de notre pays pour cette marque de gratitude. Et ça nous encourage de continuer encore à œuvrer pour le bien-être de notre pays et de notre population. Et je félicite tous mes collègues et merci beaucoup pour cette marque de gratitude. Que Dieu vous bénisse. Messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi de Tshibembe, et en vertu du pouvoir que nous sommes conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite agricole pour vos mérites et services rendus à la nation congolaise dans le secteur agro-pastoral. Sincères félicitations. Monsieur le chancelier des ordres nationaux. Monsieur le chancelier des ordres nationaux, mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la remise des médailles au lauréat. Je vous invite à prendre place à la tribune. Veuillez vous asseoir.
messieurs les chanceliers des ordres nationaux, mon général, messieurs les secrétaires généraux à la chancellerie des ordres nationaux, mon général, mesdames et messieurs les lauréats du jour, distingués invités à vos titres et qualités, voici le programme de la cérémonie de ce jour. Nous allons commencer par l'entrée du cordon d'honneur. En deuxième lieu, il y aura l'hymne national. Suivra la lecture des décisions, des nominations. Premièrement, ce sera la décoration proprement dite. Cinquièmement, ce sera les mots du représentant des lauréats. Suivra l'hymne national, les retraits du cordon d'honneur et enfin, ça sera la photo des familles. Sans plus tarder, nous passons à l'exécution du programme annoncé. Hymne national, veuillez vous lever. Soit aligné. Bon. Gardez. Ça. Présentez. Ouvrez les bancs.
tête alignée. Marche. Sainte portée. Numéro 111, bar 019, bar PR, bar CDON, bar CJ, bar 2023, 17 décembre 2023, décernant la médaille du mérite civique à un pasteur. Les chanceliers des ordres nationaux, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012, bar 2003, du 30 mars 2003, la loi numéro 009, bar 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7, alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E, bar 2010, activement à la concrétisation de l'idéal d'autosuffisance alimentaire, qui est un défi prioritaire pour notre pays. Soucié de récompenser l'essence élevée du patriotisme et du devoir des concernés, dont les efforts ont concouru depuis plusieurs années à la visibilité des structures agro-pastorales à leur charge, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite agricole est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Diambilaï Kankou Jean Clément. 2. Kamongere Kambale Kisumba. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs de cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 7 décembre 2023, le chancelier des ordres nationaux, Matou Tezouloa Kamasoboa André, général-major. Je réinvite son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres Nationaux, pour la décoration effective. Bon. Regardez. Bon. Immobile. Messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshibembo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite agricole pour vos mérites et services rendus à la nation congolaise dans le secteur agro-pastoral. Sincère félicitations. Nous invitons les mots de qui font tout. Fermez les bancs. Veuillez vous lever. Monsieur, gardez-vous. Droite à ligne. Gardez. Arme.
Veuillez vous asseoir. Gardez-vous. Cordon d'honneur, à gauche, à droite, flanc. Musique, pas ordinaire. En avant. Nous invitons les représentants. Veuillez vous asseoir. Musique, garde à vous. Droite alignée. Non. Gardez-vous. Cordon d'honneur, à gauche, à droite. Flanc. Musique, pas ordinaire. En avant. Non. En qualité de chef spirituel de l'église Tabernacle de la Pierre des Fêtes, a joué un rôle de premier plan dans la formation éthique et l'éducation civique des milliers de ses fidèles, disséminés à travers le territoire national, sans lesquels aucun développement humain et socio-économique n'est possible dans un pays. Soucié de récompenser le sens élevé du patriotisme et d'altruisme de ces derniers, qui est un acteur social majeur, dont les œuvres caritatives ont permis depuis des décennies
la prise en charge intégrale des orphelins et des démunis, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée au pasteur Mille-Anthony Raphaël. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs des cabinets du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2023, le chancelier des ordres nationaux, Matutezulwa Kamasobwa André, général-major. Décision numéro 111/020/PR/CDON/CJ/2023 du 7 décembre 2023, décernant la médaille du mérite civique aux entrepreneurs et chanceliers des ordres nationaux, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février. Ordonnance numéro 66-331 du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique, telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72-067 du 21 février 1972 et 77-020 du 20 février 1977, spécialement ses articles 1er, 4 et 5. Puis l'ordonnance numéro 20/077 du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux suite à la demande formulée par les récipiendaires, considérant les mérites des intéressés remarqués à travers des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans leurs filières respectives, d'entrepreneuriat, où l'inventivité et l'esprit d'initiative dont ils ont fait montre ont eu un rendement productif pour l'économie nationale. Soucieux de récompenser l'essence élevée du devoir et d'abnégation de ces derniers, dont la contribution à l'effort du développement socio-économique du pays a impacté visiblement les populations vivant dans leurs rayons d'activité, en faisant du développement humain l'un des objectifs ultimes, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Dédès Petros. 2. Château Safdar. 3. Na Ikamba Simon. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et le directeur des cabinets du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2023, le chancelier des ordres nationaux, Matutezulwa Kamasobwa André, général-major. 021/PR/CDON/CJ/2023 du 7 décembre 2023, décernant la médaille du mérite civique aux promoteurs scolaires, des chanceliers des ordres nationaux, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012/2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Vu le décret numéro 051/E/2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à son article 7 alinéa 1er des 5. Vu l'ordonnance numéro 66-331 du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72-067 du 21 février 1972 et 77-020
du 21 février 1977, spécialement ses articles 1er, 4 et 5. Puis l'ordonnance numéro 20/077 du 7 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux suite à la demande formulée par les récipiendaires, considérant les mérites des intéressés, remarqué à travers des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans les secteurs éducatifs, où leur engagement depuis plus d'un demi-siècle à travers l'école Jules International School of Kinshasa a permis à des milliers de Congolais d'acquérir des compétences afin de booster tous azimuts l'essor de notre pays. Soucieux de récompenser le sens élevé du dévouement et d'abnégation de ces derniers pour s'être investi dans la promotion de l'éducation qui est un droit fondamental de l'homme, en outillant ainsi les Congolais d'un puissant vecteur de développement et d'un meilleur moyen de réduire la pauvreté. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ci-après. 1. Munshi Najma Ishak. 2. Munshi Ishak. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs des cabinets du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun à ceux qui le concernent, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 7 décembre 2023. Le chancelier des ordres nationaux, Matutezulwa Kamasobwa André, général major. Numéro 111/023/PR/CJ. 2023, 7 décembre 2023, décernant la médaille du mérite civique au cadre de la société Godwin Trading Investment SRL, le chancelier des ordres nationaux, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 84. Vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012/2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Vu le décret numéro 051/2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1er des S5. Vu l'ordonnance numéro 66/331 du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique, telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72/067 du 21 février 1972 et 77/020 du 21 février 1977, spécialement ses articles 1er, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 20/077 du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par les gérants de la société prénommée, considérant les mérites des intéressés remarqués à travers des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans les secteurs des infrastructures, où les intéressés se sont distingués sous le couvert de la société Godwin Trading Investment SRL dans l'exécution qualitative des projets de construction et d'aménagement des routes, en l'occurrence la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kasumbalesa-Sakani. Soucieux de récompenser le sens élevé du devoir et d'abnégation de ces derniers, dont l'action a eu un impact socio-économique indéniable sur les vécus des populations de l'ex-province dite Katanga. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite civique est décernée au cadre de la société Godwin Trading Investment SRL, dont les noms, postes, noms et prénoms sont repris ici après. 1. Kasongobin Mulonda Edouard. 2. Aldo Cézanne.
Château Safdar, ici représenté. Na Ikamba Simon. Ishak. Onda Edouard. Cézanne. Anne Jean-Bois. Nang Lian. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qu'il nous a conféré, nous vous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations. Vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Vu telle qu'est modifiée et complétée à ce jour par le décret loi numéro 012. Messieurs. Les chanceliers des ordres nationaux, distingués invités, mes chers collègues de lauréats, nous remercions beaucoup
les autorités de notre pays pour cette marque de gratitude. Et ça nous encourage de continuer encore à œuvrer pour le bien-être de notre pays et de notre population. Et je félicite tous mes collègues et merci beaucoup pour cette marque de gratitude. Que Dieu vous bénisse. Bon général, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour.